Donc ici, sur ce dernier exercice, qui est un exercice de performance pur et dur, on va avoir besoin de 6 tirs et une seule balle. C'est l'exercice de l'escargot. Alors regardez bien, je vais vraiment venir, vous allez le voir sur le dessin, faire un escargot autour du trou. Et vous allez commencer à une distance de 2 pieds, 2 pas, entre le bord du trou et le premier tir. Ensuite, vous allez vous décaler de plus ou moins 30 à 40 degrés. Vous allez ensuite passer à un tir à 3 pieds, 4 pieds, 5 pieds, 6 pieds et 7 pieds. Donc on va travailler des distances entre 50 cm et 2,10 m. L'objectif ici de cet exercice de performance qui est l'escargot, eh bien, c'est de pouvoir rentrer chaque pote l'un à la suite de l'autre et de finir le tour complet de l'escargot. En commençant bien évidemment par le pote à 2 pieds et puis en montant crescendo 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous pouvez bien évidemment agrandir votre escargot une fois que vous avez travaillé cet exercice de performance et commencer par exemple à 4 pieds et puis ainsi de suite, monter jusqu'à une distance qui est plus grande. Quand vous réussissez le pote, vous passez au tir suivant. Quand vous ratez le pote, comme ici sur la vidéo, eh bien vous restez au même tir. Et si vous êtes vraiment chaud, dès que vous ratez le pote, peu importe la distance, vous recommencez au premier pote. De quoi maintenir un deuxième pote. Absolument. Et surtout, avoir un petit peu de pression quand vous êtes sur le dernier tir et que c'est pour terminer l'exercice. Je vais te recommencer, je n'arriverai pas. Exactement. Et vous allez voir que c'est un exercice qui est fun et que ça va pouvoir vous occuper facilement durant votre entraînement. Okay.